Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Trois jours après sa crucifixion, Jésus-Christ est ressuscité. Une résurrection célébrée dans les temples et les paroisses dimanche. Cette fête de Pâques apporte la délivrance et l'espérance nouvelle. Une occasion pour les serviteurs de Dieu d'exhorter les chrétiens à garder la foi et à porter l'évangile de Jésus pour un lendemain glorieux. Au Vatican, le pape François a annoncé ce dimanche sa traditionnel message Urbi à la ville et au monde. Il s'est offert un bain de foule comme pour apaiser les inquiétudes de ces dernières heures autour de sa santé chancelante. À bord de sa papa mobile, le souverain pontife, souriant, a longuement salué et béni les quelques 60 000 fidèles présents sous leurs acclamations dans les allées de la paroisse Saint-Pierre. Le pape a invité le monde à ne pas céder à la logique des armes, citant plus d'une dizaine de pays en proie à la guerre lors d'un vaste tour d'horizon des conflits internationaux. Il a précisé que sa pensée allait d'abord aux victimes. Et ici sur place, la communauté baoulée s'est mobilisée pour Pâquinou, célébration de la Pâque en pays baoulé. En ville comme en basse-côte, l'effervescence était totale. Les départs se sont multipliés ces derniers jours. C'est à l'image de ce campement de planteurs dans la région de Daloa. À Kwasi Kankro, les départs sont massifs au point que le village s'est dépeuplé de ses habitants. Et dans le Nord, la question de l'autonomisation des femmes et des jeunes préoccupe le gouvernement et les cadres en région. À Korogo, le ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly a lancé le projet Baraka Fissa. Il vise à soutenir ceux qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Soro Corona. Lancé en février 2023, la phase pilote du projet Baraka Fissa a connu un franc succès avec un remboursement de 100% des fonds perçus. Mieux, certains bénéficiaires ont remboursé par anticipation. J'ai eu à mettre différentes caisses en place et j'alimentais ces caisses-là chaque jour. De sorte à ce que vraiment, à la fin du mois, je puisse percevoir, comment dirais-je, un montant afin de pouvoir vraiment faire le remboursement. Avec le succès enregistré, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, initiateur du projet Baraka Fissa, décide de l'étendre à 400 jeunes de la région du Poro. Cette idée, Mamadou Sangafowa Koulibaly la tient de son père, qui a aidé plusieurs jeunes à s'y réaliser. Dès qu'il s'assurait que la personne avait vraiment la volonté de travailler, il n'hésitait pas à lui donner d'abord des conseils, ensuite quelques coups de pouce au plan financier. Et j'ai vu de mes propres yeux des transporteurs, des commerçants commencer tout petit et devenir des milliardaires, ici même à Kourou. La phase à échelle est lancée en présence du corps préfectoral. Les préfets et sous-préfets auront pour mission de conduire le projet dans leur localité. Mamadou Sangafowa Koulibaly exhorte les jeunes à s'approprier le projet afin de se prendre en charge. La phase pilote du projet Baraka Fissa a mobilisé 100 jeunes, sélectionnés puis formés sur des critères définis par le corps préfectoral. Dans le reste de l'actualité, les députés ont voté au Togo une nouvelle constitution. Dans ce nouveau texte, le président du Conseil des ministres, élu par les députés, devient le nouvel homme fort du pays. Le président de la République se contente d'un rôle honorifique. Le président fort, Yassine Bé, demande aux députés une deuxième lecture de la réforme. Depuis ce vote, plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile dénoncent un coup de force du pouvoir. Le 26 mars dernier, plusieurs réunions ont été interdites. Amnesty International appelle les autorités togolaises à garantir le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. L'Égypte, la Jordanie et la France rejettent toute opération militaire à Rafah dans la bande de Gaza. Ils appellent à un cessez-le-feu immédiat dans la dite bande. Les frappes militaires israéliennes ont tué des dizaines de Palestiniens dans la bande de Gaza ce dimanche. Le chef de la diplomatie jordanienne a pour sa part demandé à ce que des sanctions soient imposées à Israël pour la non-application des décisions du Conseil de sécurité concernant le cessez-le-feu et l'acheminement des aides humanitaires. On se retrouve à 20h pour la grande édition.